Partager une carte Mindomo, commencez par cliquer sur partager, très logique jusque-là. Et donc vous avez deux possibilités. Soit vous voulez partager avec une seule personne ou un groupe de personnes, et dans ce cas, vous pouvez conserver la carte privée, mais vous invitez les personnes. Ici, je vais inviter par exemple mon ami Mac sur le site ydf.com et je vais choisir, je peux soit l'inviter en tant qu'éditeur, et donc je peux le laisser modifier les éléments de ma carte, ou soit je peux l'inviter en tant que visionneur, donc je vais lui donner l'autorisation. Ensuite, partager, enregistrer, je peux aussi ajouter un message, ça peut être sympa. Hello Mac, comment vas-tu? Etc. Je peux aussi vouloir faire de ma carte une carte véritablement publique. Et à ce moment-là, donner l'accès à tout le monde. Et donc je clique sur carte publique. Et dans ce cas, toutes les personnes pourront voir la carte sur le site de Mindomo. Vous pouvez également la publier via ce lien, la mettre en ligne via ce lien. Vous pouvez aussi cliquer et donner un lien d'édition. Dans ce cas, toutes les personnes qui recevront le lien auront aussi l'autorisation de l'éditer. Vous pouvez intégrer dans un site web, voilà le code d'intégration. Vous pouvez aussi donner le flux RSS de votre carte ou bien carrément le code HTML pour l'intégrer dans un site web. Voilà, bon travail.